Hey, bonjour à tous et à toutes, ici c'est Cassiel, et bienvenue pour la suite de notre let's play sur Oxygen Not Included, épisode 7. Et on va, alors petite précision, moi j'enregistre, là je suis rentré de vacances, j'enregistre. Vous, normalement, le lundi 9, jour où j'enregistre, du coup vous avez déjà un épisode aujourd'hui, donc pour moi. Mais en fait, cet épisode-là, il est censé sortir demain, mardi 10, au moment où j'enregistre. Sauf qu'en fait, je suis rentré de vacances et j'ai découvert que je n'avais plus Internet. Donc c'est sûr qu'il sortira pas mardi 10 cet épisode-là, étant donné que le technicien ne vient que mercredi 11 au mieux, en espérant que le problème soit résolu à ce moment-là. Donc, quand vous verrez cette vidéo, vous avez une petite pause, j'en suis sincèrement désolé. Malheureusement, ce n'était pas de mon fait. Il fait, enfin, je n'y peux juste pas grand-chose. Plus internet en rentrant de vacances. Donc, dès que ça revient, je balance les vidéos, hein. Mais malheureusement, ben, il faut que ça revienne. Alors, on en était où? On avait des missions attribuées. Alors là, j'ai un petit peu changé ma manière de fonctionner normalement. Alors, combat, tout le monde, hop. Life support, on va mettre tout le monde comme ça. Toggle, l'activation, désactivation, je veux que ce soit fait tout de suite, donc haute priorité. Soins, ça va être haut pour tout le monde. Enfin, vous verrez, il y en a un qui va être très haut. Et du coup, ce sera le scientifique titulaire. Mais au cas où, je veux que tout le monde soit soigné. Ensuite, le nettoyage. Pour l'instant, on va rester en standard pour tout le monde. La cuisine. Alors, art. On désactive tout sauf pour l'artiste. Hop, la recherche, c'est pareil. Là, c'est bon. Alors, du coup. Exploitation. Mince, on va quand même revenir à quelque chose d'un peu plus. Comme ceci. L'agriculture, là on était bon du coup parce que maintenant on a un fermier. Hop, la construction. Alors là, on va passer. Alors comment j'étais parti? Oui, c'est ça, le mineur. Et on a de nouveau un autre architecte. Oui, du coup ça peut fonctionner comme ça, même si on va plutôt. Non, faire ça. Hop, dans l'absolu. Ce sera mieux. Et d'ailleurs, maintenant qu'on en a deux, on va repasser tout en standard. Je vais refaire comme dans mon autre partie là que je testais. Et l'architecte, l'excavation. Hop, et là on va mettre les deux plutôt en élevé. Hop, approvisionnement et le rangement, nettoyage, tout le monde pareil. La cuisine, par contre, on va la passer comme ceci quand je veux que ce soit fait. Comme ça, on a tout le monde qui fait les activations en priorité. Et du coup, on va même passer sur ce niveau-là de priorité. C'est-à-dire tout le monde fait son métier de manière assez prioritaire, certes, mais pas totalement absolument prioritaire sauf pour l'agriculture parce que là c'est la bouffe. Donc en 1 le toggle et l'agriculture en gros, en 2 le support de vie, en gros les soins sauf en extrême priorité pour le vrai soigneur, et la cuisine parce qu'on l'utilise pas souvent mais il faut que ce soit fait. Et après, donc les métiers vraiment spécifiques, il y aura pour l'instant, c'est elle qui va faire le ranching comme ça d'ailleurs. Tant qu'on n'a personne pour le faire, on va l'utiliser elle. Et voilà. Et du coup, il y a juste l'exploitation, ce sera l'artiste parce que elle est plutôt pas mal de ce côté-là. Par contre, on va le mettre aussi à ce niveau de priorité-là. Et ça me paraît plutôt raisonnable comme système. Et on va reprendre, et j'ai vu que. Là, maintenant, on va pouvoir démolir ici et enfin faire les dernières dalles. Normalement, ça devrait être bon. Ici, on avait en effet
normalement la vase pour éviter la pollution de l'air. C'était la nuit. Niveau nourriture, ça me semble bon. Je sais, là, du coup, ça fait plus de 10 jours que j'ai pas joué. Je suis pas à 100% sûr d'où on en était, hein. Je vais gérer petit à petit. On a la vase en priorité 8 pour vraiment pas polluer l'air. Je vais jeter un coup d'œil sur les priorités du coup. On va mettre 6 pour tout ce qui est nourriture. Hop. Ça c'est sûr. On va mettre 7 pour tout ce qui est oxygène. Hop, là c'était bon. On va mettre 6 pour la production d'énergie. Et donc on avait dit ce qui était nourriture. Et ça me paraît. Et 9 pour les toilettes. Ça me paraît bien. Du coup, on finit les constructions. Notamment les tableaux, la ferme. Ça va être parfait. Alors oui, du coup, j'avais normalement un stockage métaux priorité 7. Ça suffit. Et d'ailleurs, j'ai oublié de faire les algues aussi pour éviter qu'elles soient mangées. Du coup, pour l'instant, les algues, on n'avait pas, on a rien ne prend les algues d'ailleurs. Donc, on va construire ici pour les algues. Un nouveau duplicant dispo. Mais alors pour l'instant, on était combien? On était 6. Et au niveau d'émission, bon, qu'il faudrait sûrement un deuxième pour l'excavation, un mec pour l'approvisionnement. L'exploitation, ça va se poser aussi. Le ranching, bref, il y a des trucs à faire. Pour l'instant, artiste, recherche, c'est bon. Recherche en plus, ça va pouvoir commencer à faire autre chose. Et d'ailleurs, ce serait pas impossible que. Ah, peut-être l'approvisionnement, du coup, on verra. Ou la cuisine, pourquoi pas. Ceci n'est pas impossible. Au niveau de l'oxygène, on est un tout petit poil juste, si je me trompe pas. Oui, on est un poil juste là pour l'instant. Et au niveau des calories, on produit quand même un peu moins. Enfin, ça dépend. On va attendre un petit peu. De voir comment ça se goupille. Pour l'instant, on va pas prendre quelqu'un d'autre, mais Pecno, c'est pas grave. Ballerine, c'est bien. En fait, maintenant, depuis que j'ai découvert en plus le fait qu'on pouvait mettre plusieurs métiers, une fois qu'ils avaient fini une branche, ils pouvaient passer à un autre, à une autre. On peut mettre plusieurs métiers au duplicant. On est moins sur les intérêts finalement, contrairement à ce que j'ai dit au début. Délicat, c'est pas grave non plus, respire par la bouche, c'est plus gênant. Lui, il est pas si mal, parce que l'apprentissage, ça permet aussi l'amélioration des compétences plus rapide. Donc lui, il est bien. Lui, je pense, en fait, on va pas rejeter, parce que lui, on va le vouloir, je pense, le petit rubis. Donc on va pas rejeter les duplicants. Alors là, on va faire les algues, priorité 7. Comme ça. Ce sera fait. Alors, là en plus ça va être fini. Là c'est toujours pourquoi construction inaccessible. On va faire ça déjà. Ici. Peut-être parce que c'est trop profond. Je sais pas. On va voir. Sinon, on va faire. C'est bête de devoir passer par là, mais on va faire ça. Et normalement, ça devrait être accessible après. Voilà, ce qu'ils peuvent, voilà, ils peuvent y aller. Donc, il n'y a pas de raison que ça. Oui, donc en fait, ça, on va pouvoir annuler la construction. Et là, on va pouvoir faire la dernière dalle. Hop! Et on sera bon. Et du coup. On va finir ici le toit de la chambre. Ça pourrait être pas mal. On va
creuser ici. Et d'ailleurs, on va en profiter. On va annuler ces deux-là. Et on va faire une aération centrale. En plus des échelles, ça fera du bien. Voilà. On devrait mieux s'en sortir ainsi. Alors, avec ces deux-là, je sais plus combien de temps ça fait que je les ai installés, ces deux-là. Mais ça devrait réduire un peu le dioxyde de carbone, là. Ça va faire un peu de bien. Je vois ce que je fais jamais attention au début aux températures. Et d'ailleurs, maintenant, j'ai changé pour ceux qui voudraient recommencer une nouvelle partie. Ici, je mets plus 16 cases intérieures, mais 18 pour pouvoir mettre les plantes qui refroidissent. Je sais plus comment elles s'appellent. Mais je trouvais ça assez indispensable. Là, on a... Ça, on va pouvoir, du coup... On était... Ah oui, c'était pour les germes. Je m'en rappelle. Mais il y en a encore un petit peu. Donc, on va les laisser pour l'instant. Au niveau du décor, on est quand même pas mal dans l'absolu, là. Il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a des trucs qui sont pas encore faits, mais ça, c'est pas grave. Et du coup, oui, je laisse 18 cases pour permettre de mettre éventuellement des plantes pour refroidir, parce que la température est toujours le petit problème gênant. Faut pas que les plantes aillent au-dessus de 30 degrés. Et c'est pas toujours évident que ce soit bien le cas. Alors, là ça construit, on va pouvoir également mettre ici et ici. Là il y a du vide, mais c'est pas grave. On va commencer à creuser là, hein, parce qu'il va falloir. Hop, et on va bientôt commencer une belle zone de stockage aussi par ici. Au niveau de la recherche, je sais plus où on en était. Alors, là on a fait ça, c'est bon. Là, on avait pour l'instant ce qu'on avait besoin, là aussi. Donc là, on est là-dessus pour aller chercher la raffinerie de métal, qui est assez importante. Là, on avait ça, on avait bien ça. On avait pas mal de choses, hein. Déjà, on avait bien avancé dans la recherche. C'est plutôt pas mal. Alors, du coup, une fois qu'on aura fini de creuser, par là, normalement, on devrait déjà pas mal ramasser. Au niveau des métaux, ici, priorité 7. Et ici, ce sera les algues. Et du coup, on va pouvoir se permettre de prolonger un peu. Ici, on va creuser. Et on va faire du stockage. On va en faire au moins 5 de plus, là. Que là ils vont commencer à ranger petit à petit et ce sera pas plus mal. Alors d'ailleurs, il y a des petites choses que j'ai oubliées dans les constructions, mais on va le faire tout de suite. Enfin, oublier pas forcément, mais on va pouvoir faire ça. On va pouvoir faire ça. Ça va mettre de jolis petits éléments. On va pouvoir faire ça ici et on va en mettre tout de suite un deuxième là. Là, normalement, on est un peu près bon. On commence vraiment à bien creuser. C'est parfait. Normalement, plus ces métaux-là, on devrait vite... Les calories, ça monte vite. Hein. On n'a pas de problème de ce côté-là. Je pense qu'on va voir à la fin le bilan à la fin de la journée. Mais les calories sont bien montées maintenant qu'on a l'agriculture de manière assez pleine. Et on va aussi penser à faire un petit élevage avec les hatchs. Parce que ça va être assez important de faire un élevage de hatchs. Alors, normalement, on ne devrait pas tarder là à récupérer aussi tout ça, mine de rien. Alors, on va pouvoir copier les paramètres. Et ainsi agrandir notre zone. Alors. Non. Voilà, c'est ça que je veux. Copier les paramètres. Normalement, il devrait construire les trois derniers dans pas très très longtemps.
Ici, on sait pas trop pourquoi c'est pas fini. Allez, le dernier, s'il vous plaît. Voilà. Alors, pourquoi ils peuvent pas le faire, là? Simplement parce qu'ils font autre chose, c'est tout. Ok. Alors, la recherche est complète. La barre de pompier, plaque de régulation thermique. Ça, je m'en sers pas spécialement pour l'instant, la barre de régulation thermique, mais voilà. Et bientôt, on va faire aussi la centrale. Alors là, on va en profiter. On va finir ici. Tant qu'à faire. Hop. Et comme ça, on va pouvoir commencer à ramasser tout doucement. Ici, on n'a rien de programmé. C'est bon. Il n'y a pas spécialement besoin. On finit de creuser. Ah, là, on va pouvoir creuser aussi. Alors, comment on va faire pour les hatches? Et il va falloir aussi commencer à explorer, d'ailleurs. On va regarder un petit peu où on va explorer. Il faut trouver les zones de froid. Là, neutronium. Là, il y a un geyser. De quoi, je sais pas, mais il y a un geyser. Là, visiblement, il n'y aura pas de zone de froid par là. Hein, ça a l'air plutôt chaud. Là, il y a un geyser de gaz naturel. Ça, ça va être bien parce que l'énergie au gaz naturel, non seulement bah, ça fait de l'électricité, mais en plus, ça produit de l'eau polluée qu'on peut après recycler. Donc, ça, c'est cool. Et voilà. Là, on a une vraie zone de froid. Il va falloir aller chercher par là. Alors... ici, à un moment, va falloir descendre aussi. Va falloir trouver un moyen de mettre un sas. Je sais pas encore comment je vais me débrouiller. Là, il y a de l'abyssalite, c'est important. Le charbon, phosphorite, roche magmatique. Là, il y a des trucs assez importants. Mais il va falloir qu'on... on va devoir partir par là, malgré le slime. Histoire d'aller voir déjà ce qu'il y a de ce côté-là. Alors, la première chose qu'on va faire... on va les laisser finir là. On avait déjà commencé à explorer par là. Là, il y a de l'amalgame d'or, il y a du sable, du grès encore, de la roche magmatique, il y a des choses bien par là. Là, il y a pas mal de choses, hein. Charbon, roche magmatique, je vais y arriver... à parler, nom de Dieu. Pas mal de minerais de fer par là. On a des belles ressources. Ça, c'est important. Alors, comme là, on va faire une zone de stockage par là. Et pour éviter que les hatches se barrent, on va faire une entrée par le haut. Donc, déjà, on va sûrement rentrer par là. Et donc là, on va faire quelque chose. Là, on va pouvoir faire ça. On va pouvoir faire ça. Et on va faire une zone par laquelle on va rentrer par le haut. Donc, je ne sais pas ce qu'on fera ici pour l'instant. Donc, ce qu'on va faire, on va construire une échelle. Ici. Hop. Et comme ça, parce que des fois avec les portes, les hatches arrivent à s'enfuir. Donc là, on va essayer d'éviter ça, tout simplement. Et là, on va faire quelque chose comme ceci. Alors, le rapport est prêt. Et le rapport, il nous dit quoi? On a mangé beaucoup de calories, mais on en a produit beaucoup également. Ok. Et au niveau de l'oxygène, c'est plutôt à l'équilibre maintenant qu'on a ces deux petites choses là. Ce qui est plutôt positif, même si on consomme beaucoup d'algues. Alors après, on va commencer à creuser, mais il va falloir trouver un moyen de faire un sas pour qu'il soit obligé de se laver les mains avant de pouvoir faire ça. L'agriculture est plutôt par là, donc la génération d'électricité, on va la faire plutôt vers le haut. Et il va falloir trouver un moyen. Alors, ce qui va être chiant, c'est de passer par le chlore, là, pour aller chercher le gaz naturel. Ça va être embêtant.
Alors d'ailleurs, il y a des endroits où on va fermer vers le haut aussi pour que l'oxygène se barre. Au niveau des algues, on en est où? On a 8 tonnes pour l'instant, ça va à peu près, mais c'est pas tant que ça, hein. Faut pas croire, ça peut vite disparaître. Alors là d'ailleurs, on va même pouvoir virer tout ça. Hop! Là d'ailleurs, on va pouvoir creuser ce petit bout là. Moi, je pense qu'on va pouvoir prendre un colon plus très prochainement. On a un poste maîtrisé, apprenti architecte. C'est parfait. Et ben, tu vas devenir architecte, Nicolas. Hein? Au lieu d'apprenti seulement. Au boulot, feignant. Tu vas me construire tout ça. Alors, là, du coup, on va démolir ça. On va faire une porte. Mais comme ceci. Et en plus, on peut marcher sur l'échelle, voyez. C'est ce principe-là. Alors là, on va voir jusqu'où on emmène la pièce. Après, on continuera l'exploration. Alors, dans tous les cas, on fermera là. Et là, du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Du coup, vu qu'on est parti sur 16, on fait 16. Hein. Pour l'instant, on va fermer ici. Ce sera mieux. Et on va pouvoir creuser là. Creuser là. Hop là. Et on aura pour mission de ramasser tout ce qu'il va y avoir dans cette pièce-là. Et après, on fermera. Hop là. Ça va être parfait. Moi, je vous le dis, ça va être parfait. Comme ça, les hatchs, on va leur donner ce que nous, on souhaite. On va leur donner à manger. Et on va pouvoir avoir quelqu'un qui s'en occupe. Ça, ce sera plutôt bien. Ce sera plutôt bien. Hop. Là, ça va finir la construction. Bon, pour l'instant, ils descendent par là. Ils pourraient passer par là. Je sais pas pourquoi ils s'embêtent là, les petits loustiques. Voilà. Allez. On ramasse tout ça. Ce sera pas mal. Et ça, ce sera notre enclos à hatch. Hop là. Alors ici, d'ailleurs, on va sûrement. On va centrer un petit peu plus pour. Là, il y a l'air qui passe. Non, on fera les aérations un peu plus tard. Là, on est bon. Et ici, on va sûrement fermer à cet étage-là. 1, 2, 3, 4. Et du coup, pour l'instant, on va fermer là. Hop, hop. Ici, on va démolir. Voilà, et on va faire un sas. Comme ceci. Je voulais voir si on pouvait décaler le. Mince. Le. L'électricité, mais non. C'est pas bien grave. Voilà, comme ça va être fermé. On va déjà pas perdre d'oxygène là-dedans, ce sera pas mal. On va garder un petit peu notre oxygène. Bon, normalement, il devrait balayer tout ça. Et après, ce sera bon. Pourquoi c'est inaccessible ça? Je comprends pas. Alors, on va annuler les constructions. Et on va les refaire. Tout simplement. Et normal. Pourquoi c'est inaccessible? Je ne comprends pas. Et de voir que si on fait ça, je parie que ça va devenir accessible après. Ce sera débile. Mais vous allez voir. Et voilà, maintenant c'est accessible. Je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a juste aucune explication logique. Mais c'est comme ça. Bon, ça fait partie des petits bugs, hein. Évidemment, le jeu est en alpha. Alors, les recherches sont finies.
Et on va en lancer d'autres, hein, on va pas hésiter. Alors, ici, ce qu'on va faire, on va chercher toute l'électricité là déjà de ce côté-là. Je pense que ce sera pas mal. Ils ont commencé à construire, mais maintenant c'est inaccessible. Ça, c'est beau. C'est magique. On va faire ça. Et vous allez voir qu'ils vont réussir. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais du coup, maintenant, on va démolir ça. Ça n'a juste aucun sens, mais c'est pas grave. Allez. On ramasse là. Allez, hop. Bon, d'accord, il y a beaucoup de matériaux, mais c'est pas une raison. Allez, allez, allez. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de boulot là quand même. Ici, il fait pas très bon à respirer quand même. On a beau recycler. C'est un peu juste. C'est un peu juste. Alors là, d'ailleurs, on va faire des aérations. Ça pourrait être pas mal. Hop. Hop. Et hop, ça permettra au CO2 de descendre. Pourquoi hypothermie? Pourquoi hypothermie? Pourquoi elle est restée 3 plombes dans l'eau, là, de là à avoir une hypothermie, je suis un peu surpris. Hop. Bon, pour l'instant, on est pas mal. Les dalles ventilées, ça va permettre de l'aération. Nickel. Ça va évacuer un petit peu tout ça. Là, c'est bon. Et là, on est censé ramasser. Alors, ça ramasse là-bas. Ah oui, c'est pour. D'accord, c'est pour alimenter. C'est normal. Au niveau de la bouffe, on est large. Au niveau de l'oxygène, on a l'air bon. Ça dépend des jours, en fait, c'est assez bizarre. Voilà. Là, on était large, alors que le jour d'avant, on n'y était pas. Bon, dans tous les cas, on va prendre un nouveau duplicant. Eh, là, les chambres sont pas finies, la deuxième. C'est vrai, j'avais oublié ça. Alors, je pense qu'on va faire un étage de chambre, tout court. Donc là, on va construire une porte, construire des dalles. Olé, j'ai été un petit peu rude. Hop. Alors, normalement, voilà. On va construire. Donc on avait laissé des espaces comme ça. Mince. Et voilà, je fais des bêtises. Aïe, 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 aïe. On va préparer la chambre et je pense qu'après on va en rester là à quelque chose près. Alors, on va faire ça. Et ça. Et ça. Et ça pour pouvoir y accéder. Et ce sera parfait. Et d'ailleurs, on va. Tout, tout, tout. Oui, c'est vrai que j'ai mal construit là, mais. On va corriger ici. Et si ça passe pas, on verra après. On remodifiera un petit peu. Hop là. Et on va même immédiatement mettre de belles toiles. Pour que tout de suite ce soit sympa. Tout de suite ce soit joli. En tout cas, voilà, je pense qu'on va faire une petite pause ici sur ce poste maîtrisé scientifique titulaire. Alors là, elle, c'est parfait, Ellie. Alors, Ellie, pour l'instant, on va la former. On va la former en quoi, Ellie? Bon, le minage de base, tout, 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 pas forcément. On va regarder un peu son profil à Ellie. Alors, tu aimes quoi, Ellie? Ranching, recherche, cuisine. Bah écoute, je pense que ta nouvelle mission, ça va être le ranching. Voilà. Alors, ça va passer par là d'abord. Et pour que tu puisses t'améliorer, du coup, on va faire en occupation, on va revoir Ellie. Ellie, du coup, en occupation, la recherche évidemment.
Du coup, l'agriculture et le ranching. Et toi, tu vas repasser en normal pour le ranching. Comme ça, ce sera bon. Donc voilà, on va en rester là pour cet épisode. Moi, j'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, je vous dis vladalam à tous et à la prochaine.